Auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs de Téléradio Provinciale et de Jean-Aubert Jean-Noël TV, nous allons présenter une fois de plus analyse événements ou faits ou nouvelles nationales et internationales. Bonjour Jean-Aubert, comment vous êtes? Bonjour, bonsoir Rinal, salut à toutes et à tous, moi très bien, comme d'habitude nous là, fais mon poste, nous allons laisser analyser la conjoncture internationale là, même le baguette de grand chose là-dedans, et conjoncture nationale là qui lui-même, qui baguette non par les qualificatifs, ou pas comme ça vous dit. Non, international là, il y en a un bagay qui fait actualité, c'est coup d'État au Gabon, Okay. et même parler de gain fièvre de coup d'État en Afrique, et nous gain tout guerre là qui a continué, et comment ça y est, Jean-Robert? Il n'a pas une idée sous question des affaires immigration, mon cap entrer dans les États-Unis, dans le programme Biden. Ou encore dans le programme Moun qui a sorti sous frontière là. Jobin, qui sort qu'on est? Bon, ça me connaît, c'est que grand coup d'État au Gabon, après élection qui était faite, qui était favorisée, réélection de Bongo. Bongo, c'est petit, yon ancien président, et qui lui-même, qui débat son paquet de temps sous pouvoir, et puis petit, lui, une bonne place là, des élections truquées en élections truquées, arrivé jusqu'à une aujourd'hui. Opposition clame que c'est au gain élection. Hein. Alors que Bongo dit c'est lui-même qui gagne l'élection et qui libère le résultat. Et face à l'effervescence ou bien quelques peuples qui étaient dans la rue, l'armée à lui-même, lui mettait M. Rizid dans ce pays à toute petite lit, et puis il prend pouvoir. Donc c'est ça qui gagne, et ça nous constate tout. Et c'est que, ou bien pas l'État, l'on fièvre de coup d'État, parce que là on prend Mali. Et par ordre chronologique, ou prend Burkina Faso, ou une prend Niger, qu'on y a une prend Et Gabon. Gabon, excusez-moi pour non, pas de Kamouté, ou une prend Gabon, ou bien en situation de coup d'État dans trois, quatre anciennes colonies françaises. Donc, il y a une analyse au monde d'Arafé. Mais sous entrer là-dedans, ou Gavin trop long. Donc, par conséquent, ça vous constater, c'est que c'est ancienne colonie française et qu'il y a un problème, ça. Et puis, autre chose, dans tout aspect, ça, il y a un petit côté, une tendance de parler de la Russie et choyer la Russie. Donc, par conséquent, tout le monde commence à spéculer, vous dit, bon, c'est Russie souvent qui derrière genre de situation ça. Mais nous n'avons pas assez d'informations pour nous et entrer la logique ça à part et dans Burkina Faso, dans Mali et dans Niger actuellement que où il y a présence Russie qui au même qui a essayé challenge l'Occident. Donc et puis où il y a Chinois et tout qui dans zone dans son zone qui gagne qui géopolitiquement est très bouleversé, très, très, très gros problème. Donc, nous avons suivi pour nous, et puis au moment opportun, nous avons fait une analyse plus approfondie des et bah, coup d'État, ça. Et forme de tout africain, tu as toujours aimé, tu as fait coup d'État. Ce n'est pas la première fois, on a conjoncture à favoriser, on fait, on continue à faire. C'est bien là. Nous n'avons plus jamais eu l'autre balle. Et en regard des guerres ukrainiennes, puisqu'elle est toujours là, on a tombé des deux côtés, et qui ça ou gain comme information, monsieur Benza? Bon, guerre en Ukraine, c'est une guerre qui nous était dit déjà, qui allait là pour durer. Et nous t'ai toujours dit tout, dans toute vidéo que nous faisons, que nous comptons qu'il va rentrer dans la guerre, parce qu'on a décidé qu'il doit rentrer dans la guerre, on a décidé qu'il doit sortir. Parce que, et tout le monde sait toujours comme ça, il est rentré dans la guerre, guerre qu'on est parti pour 3-4 jours, et puis le regarder, on t'a surévalué force. Ou tu es sous-évalué force adversaire là, et pour nous rendre compte que guerre pour 1 an, 2 ans, 3 ans, Américains prennent la donne au Vietnam, ils ont même été prendre la donne en Afghanistan, en parlant de Russie. Bon, heureusement pour la Russie, ces derniers temps, les ont été entrés dans Géorgie,
Et les autres entrés dans Crimea, il n'y a pas de vraiment de problème. Et autres pratiquement et toutes zones ça sans difficulté. Et les rentrés dans l'Ukraine, peut-être que tu penses à la table douce. Eh bien, bon, l'Ukraine, on est langue. Actuellement, il y a une contre-offensive ukrainienne qui l'a depuis 2 ou 3 mois et qui commence à battre les résultats qu'on y a. C'est qu'ils ont été attaqués sous plusieurs zones, mais il y a une zone qui commence à battre des éléments de faiblesse, des points de faiblesse. Nous ne pouvons pas parler des percées, mais il y a des activités au niveau de Zaporizhzhia, côté ukrainien a gagné des kilomètres en profondeur, alors que c'était dans la périphérie depuis quelques temps. Et qu'on est là, il traverse les premières lignes de défense russe et il va pour attaquer deuxième ligne. Et si pendant la période ça, et Russie va être en renfort, il va être en forêt, il va arriver vraiment une grande percée qui arrive sur la mer d'Azov, à ce moment-là, a coupé la défense russe en deux, en deux, en deux, en deux camps. Et ça va permettre eux-mêmes d'attaquer la Crimée, attaquer et l'oblast de Kherson. C'est comme ça la situation est. Mais en même temps, tout, il y a d'autres actions à mener. Par exemple, au niveau de Moscou, au niveau de Russie même, il y a des drones que ils ont fabriqués, ils ont modifiés. Côté, il y a frappé des et objectifs militaires dans Russie même et dans la zone occupée. Et forme de tout de notre côté, Russie a tout été inactif. Russie a bombardé une série de bars en Ukraine à distance tout. Et ils ont frappé un port qui est Odessa, dans un seul port que l'Ukraine qui ouvre au commerce extérieur, parce que tout le temps est dans la Russie. Et ils ont empêché manger, sauté en Ukraine et ils ont crasé en pile dépôt manger et ils ont crasé tout de bâtiments et il y a des civils qui mourent. Donc, c'est à distance et son guerre des drones, guerre des missiles et avec les armes que Britanniques avec Américains bail et Ukrainiens, ils ont même frappé des objectifs militaires, ils ont crasé des ponts. Et on a eu les Tom Shadow, bien Armas, avec et des balles de précision, ça y est, ils frappent en pile côté dans la zone occupée, mais ils ont même pas utilisé ça pour frapper en dedans aussi parce qu'il est interdit par les Américains et les Britanniques et l'Europe en général pour pas utiliser les armes ça pour frapper la Russie. Mais au même temps, ils font des armes par eux et ils utilisent les armes qui étaient là modifiées parce qu'il y a une bagarre qui est importante pour le monde connaître. C'est que l'Ukraine, c'est une république soviétique qui était plus avancée dans l'affaire aéronautique. Et donc, il y a eu ça dans le cerveau. Et qu'on a commencé à faire des armes par eux. Et il y a eu un dernier arme fait là, un drone qui a couru 700 km. Donc, c'est la situation, ça a loué. Et ces informations, ça a loué, elles sont disponibles. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin pour nous parler de guerre là la semaine prochaine si nous avons plus d'informations là-bas. Et Jobert n'a pas ouvert rapidement dans la question immigration. Nous connaissons des programmes de support aux immigrants dans 4 pays, et notamment Haïti. Forme de programme, ça peut marcher. Mais si tellement il y a des demandes, il y a encore dans le mois de janvier. Et il y a des gens qui ont appliqué juin, juillet, qui ont une chance de monter. C'est dans le cadre, dans le mois de janvier, si vous êtes en bas programme, non? Et si vous prenez mon janvier, vous avez une chance, vous qui appliqué dans la même ligne passée, ou encore si c'est le computer qui choisit. Et vous avez eu. Il y a un autre programme de réunification famille, dans le monde qui appliqué résidence, cap marché, etc. Mais l'autre, ça n'a pas souligné point surtout, c'est le qui était sous frontière là. Nous connaissons toute bataille politique qui était faite entre deux partis, républicains et démocrates, dans les affaires. J'ai interprété le dossier immigrants sous frontière là. Eh bien, président Biden est venu en programme pour permettre depuis Mexique ou qu'a fil des dossiers qu'on premier juge qui tendait et vous permettre moun sa rentrer. Mais moun sa rentrer, yo ba en forme. Mais ay nani fort, yo permettre yo rentrer, mais on l'autre papier ba yo mentionné que moun sa yo gagne puis aller devant un juge.
pour une deuxième fois et il mentionnait dans quelle zone, dépendant dans quelle zone on a entré et le ça on a gagné pour aller dans le juge dans zone côté il est entré dans États-Unis mais regardez là et par exemple dans Massachusetts son côté pour immigrants et bah paquet d'avantages ou soit dans l'esprit mounio il y a un pile monde qui quitte zone donc si tu entres par Chicago si tu entres par Californie et que dans papier amendé juge tel là bien pour eux. Donc le conseil mounio le fait de parler anglais il est venu et il y a une situation difficile c'est pour ça qu'il y a des monde pour résoudre le problème ça soit au fil TPS ou encore au fil et asile qui bat mounio un certain temps la question passée devant le juge puisque réajuster les dossiers mais gagne le monde pas connaît yo doué les al vivre dans l'autre zone yo doué déplacer dossier justice information des bail de côté RTA pour permettre que dossier à l'autre côté yo ka remettre yo à l'autre juge donc le monde pas connaît bagage ça yo ou ka arriver dans phase Robert date pour aller devant le juge arriver pas connaît il pas aller devant le juge, automatiquement, Mounsa entre dans un processus illégal que yoka facile déporter. Parce que still gen moun continue à déporter, parce que semaine ça, il y a 61 moun qui avion mené tourné en Haïti. Donc, nous avons des organisations haïtiennes, il est bon pour accompagner Mounio, parce que Mounio, par exemple, dans Massachusetts, tout le côté haïtien, moun yo nan difficulté yo pa parler la yo gen des papiers nan men yo pa konn ki sa décrit nan papier c'est des moun ki ka kwè yo aux États-Unis et tant que on juge pou ko décider ou que pa changer statut yo moun sa nan situation difficile et ou ka rive au moment yo nan situation de déportation donc tant pis sou les organisations l'église yo haïtienne yo et organisation haïtienne ki nan différents côtés yo recevoir haïtien mobilisez nous organisez-nous pour nous porter support à groupe Mounsa, parce que dans la communauté espagnole, et yo organisé beaucoup mieux que nous-mêmes. Robert, c'est ça que vous avez comme conseil dans la question des affaires immigration, parce que nous-mêmes, au niveau de l'initiative citoyenne, et pour le changement, nous commençons à porter participation nous, en dans mouvement ça pour supporter deux, trois immigrants haïtiens qui pas au courant de ensemble d'informations pour nous canaliser vers l'organisation qui te guide. En nous passer là, car nous rapidement, Jean-Robert. Bon, même pas qu'on nous comme, de qui ça m'a parlé, la calme. Parce que là, regardez, l'église va respecter, c'est que bandit entre dans l'église au grand monde, l'école va respecter, l'école primaire, nous allons s'attriver, moun yo la kayo, yo pa gen sécurité, yo entre au boulet kay moun, kidnapper moun l'état tribunal pas en sécurité parce que y a accès tribunal victime déjà et nous nos cas fou jour on n'est pas qu'à expliquer on pas qu'on comment pour aborder ce sujet parce que l'emballage nous deux moun en Haïti on nous dit yo résien par exemple ou gen bandi ka fou fè yo ka prend espace et ou même voulait arriver jusqu'à et marché Salomon, pas là, moun ki nan zone, surtout c'est dans zone sa délevé, moun nou di yo pa konn pièce kote pou ale, moun nou di apre te ferme pòt yo, en attendant que bandi arrive sou yo, vin décide pou yo, gen moun nou pa la, moun nan dou, ou di, moun nan, est-ce que zone sa pour la, pa gen problème, li di, pa gen zone ki pa gen problème, il suffit que bandi a poko décide vini, et même le ta vini tout, ou pa gen pièce moun pou fè recours en tant autorité qui t'a intervenu. Donc, situation grave, Jean-Roubaix, qui ça ou après nous-mêmes. Bon, c'est même pas à vous dire là, oh, mais au contraire, il y a un ultimatum que Kafou fait bail, et enfin, bandit en général bail, parce qu'il y a une tendance au regroupement, il y a une tendance à parler le même langage, il y a une tendance tout, et pas goûter entre eux. Donc, ça veut dire que font alliance, ils font entente pour vraiment pour yo avancer. Et il y a un ultimatum était pour 72 heures. Ils ont demandé que tout le conseil de côté au besoin, il a besoin de institutions de l'État, soit université, soit d'autres institutions, pour quitter l'espace pour eux, pour prendre l'espace eux-mêmes, pour servir base, pour avancer. Qui va vous parler, d'après certaines rumeurs,
yo anvi e pran pouvoi pou yo bay e yon moun nou bien direktman, nou pa kon ki sa kap fèt, mwen kom nou te di sa, yo pa di objektif politik, nan analize pa nou nou te fè, paske yo pa di yon di objektif politik, a pa kidnap e fè l'ajan, etc. Petèt kon yon gen sufizanman d'ajan, e pi souci yo gen lwa ridwi tou, piske an pil entreprise, sütou entreprise moun klas moyen, patikman pa ka fonksyonè, tout moun sa yo pè di tout sa yo gen, yo pati kite e zon yo, gen yon pil ki vini nan program Biden, gen yon pil ki yo Etats-Unis, paske yo te gen visa, ou gen pil tou ki te gen rezidans ki vini. Donk, situasyon tre grav, e ou gen masak, e ki te rive nan Kanaran, ou konen, e pasteur a li men, e yo pran lisans li, e l'Etat isi pran lisans li, e genyen, e chif yo komanse soti, yo pale don 52 moun ki mouri nan Kanaran, et yo pale dan pil moun ki blese et gen moun ki mouri tout nan Kafoufè, mais yo pa chif yo retombe. Donc son situation ki très grave et la police nationale mette tout en état d'alerte, tout moun ki nan la police ta konnen yo coupe yo kase tout congé tout bagay et donc par conséquent donc et face à menace sa yo donc nou pa konn sa k pa pase là si c'est si, pa gen moun ki gen on adjektif ou kalifiye sa ka pase ya. Donc kom nou te di se le rey de bandi et se yo deside ki jan la vi nasyonal ap mache ou pa. Donc très certainement se jou si avèk alyans ki yo fè antwe yo avèk et de zam ki yo gen deja disponib avèk pratik ki yo te gen deja donc si yo e certain ke bon li pa difisil pou yo fè sa yo bezwen fè a konnen a mètnan. Si yon a arrive pou an pouvoir ou bien ta passe pouvoir ba an moun, très certainement moun yon passe pouvoir ba la, et moun ki habitué toléré ou même si son moun a cravate, comme yon même, yon te considéré comme bandi à sa patte, et quand yon fin grenè yon a tout son bon milieu, yon a un bon bar comme ça, donc par conséquent, nous par contre, ça ne peut pas passer, hein. Et par aucune qualification ou kamete, personne ne va regrenè, mge zami mwen ki parle de Victome, ki le Haiti son kapèj. E wap gade paste a tou ke li gen li bout de dè invitation la justis e CSPJ et cetera. Donk li bout de dè invitation e ou ka kompren sa pwiske nan sosyete nan peyi kote gen de lè ou kon invite moun e gen de indis pou moun mental defan ni e ou gon kadon pou mien minis yo di li gen konivans a asasin nan ki te tuye prezident Jovenel, li patal devan la justis, e moun ap tuye moun, moun ap boule moun, pa gen piyes, moun yo mene devan la justis. Donk kesyon, mene moun devan la justis, ken nepot moun boudel. Men nan kote gen l'Etat, gen l'autorite, ki tap divizil pou pasteur boude. Bon, pasteur pa tap mèm rive nan nivou, pou tap pran moun pou mene Kanaran, parce que c'est un rôle la police et l'armée qui t'a dû intervenir. Ça veut dire, bah yo mélanger Jean-Robert tête en bas, l'envers, ou bien l'impression que Haïti, en tant que nation, en tant que pays, n'a pas existé encore. Puisque le monde n'a pas de sécurité, l'autorité n'a pas décidé, le monde n'a pas couru quitter le pays, son véritable tête chargée, nous arrivons dans le carrefour ça. Bon, nou te kontan di sa nou menm, nou di ke, bon, situasyon sa, bon, son situasyon ki totalman degenere, e kon ya la, ti espoa ki gen, kom yon koni ke yon di, l'espoa fè vive, don se an reaksyon general de pep ki oprime ya, ki ap subi ya, e pi, kom yon gen de boakale lokalize, par exemple, mwen kwa gen 5 moun ki mouri nan kesyon Boakale paske te gen zam, te gen munisyon la men yo tap pase nan de zon. Donk aswe mwen tap pote bay bandi, donk moun yo pran moun yo boule yo, e ou gen la polis ki tue petet an 5 bandi e nan semen sa la. Donk genye an posibilite kan men, gen revol ki lokalize sa yo par rapport a de moun kap bat moun yo kapture yo kapure. Li ka vin generalize, men ap gen, kom nou te di li, ap gen pil san koule, men nou repete san de di semen denye la,
avec plus de 11 millions de monde qui rentrent dans le pays. Hein? Et Bandio, d'après chiffre, dit c'est 3 000 à 16 millions carrés. Et comme toute bête gêne bordée, nous avons mis tête nous là. Donc, gagner possibilité, toujours espoir ça, que bon révolte générale contre tout bandit ça. Et un pile moun, bandit à sapate, bandit à cravate, et brasseur d'affaires qui te font financer bandit ça, un pile qui a tombé là-dedans. Et Il y avait celles-là plus justes seront sauvées. Slenz des locaux dans l'émission, bien qu'il n'y ait pas quelqu'un qui critique pour ça. Il dit que action bandit à faire pour bandits sont bien parce que bandits c'est tellement bien organisé, c'est que gagne des mouns yo payé. Ça veut dire non seulement chaque semaine, et ça permet un pile moun qui jeune qui étudie qui pas qu'à jouer dans rien entrer dans l'industrie bandia parce que monsieur gagne un mécanisme côté yo paye moun chaque coup, ça dit son industrie lunier et ça va nous permettre d'en pile, ça que yo gen alliance, yo gen des éclaireurs, yo gen des moun qui en dedans, ça dit ba la vin enraciner nos niveaux que peut-être résoudre problème non il pas aussi facile nous cap garder comme ça dehors mais le en bagala ka extrêmement compliqué. Et l'autre aspect, tout, 15 septembre, Capville, là, Jean-Roubaix, il y a une décision qui doit prendre dans les Nations Unies. Est-ce que quelqu'un qui doit se priver plus, c'est que c'est plus qu'à permettre force internationale là, venir quand même. Donc, nous, nos situations confuses des deux côtés. Désordre dedans, autorité pas faire rien. Et il y a une question internationale qui a regardé, qui vient pour prendre une décision. Qui ça, ouais. Bon, l'international a déjà passé dans la tête, dans la vidéo. Nous t'ai expliqué ça, c'est la tête, nous t'ai au Canada vini, il allait, il vient avec avion, il passe en l'air, il vient battre dans la mer, bandit même nous t'ai sous terre. Donc, tout ça, nous t'ai fait blague avec nous, nous t'ai capable de résister. Mais il faut nous connaître tout, bon, situation ça, son situation, l'ONU, il a quitté le dégénéré dans l'État Samba, qui ça, il a pas le vin de faire, il a le vin réglé là. Et jusqu'à présent, il a parlé de Kenya qui a planté la force multinationale là. Mais on va sentir qu'il y a des gros pays qui entrent dans la logique là, qui pour bailler un coup de main, à part, il y a un appui technique, un appui financier. Donc, ça veut dire que c'est une série de petits pays qui a dit à vous et sang, il a voué ceci, il a voué cela. Or, ou une situation militaire qu'il a, peut-être c'est une bonne nouvelle qui gagne à ce qu'il paraît. D'après les dernières informations, il semblerait qu'il y ait levé un embargo et pour l'armée d'Haïti qui a acheté des armes comme ça. Donc, et au niveau de l'ONU, il y a une décision qui prend dans ce sens ça. Donc, si l'armée d'Haïti est capable et vraiment équipée, capable de jouer des armes, et avec toutes les réserves qu'il y a et tout le monde qui l'a, donc, il est capable et plus ou moins aider la police nationale et faire face à tout le. Et s'il y a une intervention militaire, une intervention musclée avec des forces militaires, donc peut-être nous avons gagné, et en alliance avec l'armée, la police et puis les forces internationales pour faire face à Bandio, mais et Bandio tous sur baguette et faire même mise sur toute bagaille. Mais si on arrive à faire même mise sur pouvoir, il prend pouvoir, il prend série de bagaille, donc on est là pour entrer dans le pays à Bouvine pour eux, ce n'est pas des gens qui gagnent uniforme sur eux, c'est pas des gens qui noyant de la population. Donc, son bas est très difficile pour sortir. C'est peut-être la population qui a identifié un certain nombre là-dedans. Et il y a un bas qui gagne une semaine ça, par exemple, regardez, Bandi va respecter personne. Et même Gary Victor Gekali dans zone là. Et monsieur victime, c'est-à-dire que vous voulez Kali et dans zone de Kafoufei. Donc, c'est des situations qui sont vraiment terribles. Pas qu'on est qui j'ai force Kenyan là. Avec l'autre force qui a mis ensemble. Et puis, nous ne savons pas qui ça va faire tout. Parce que est-ce que la Russie et avec la Chine, dans 5 membres permanents, on va le voter pour. Si on vote contre, on a toujours une possibilité pour évoquer une question article, parce que c'est ça, article 5, mais qui va ça qui gagne l'Assemblée générale là, qui a eu des bonnes décisions. Hein. Donc, ce n'est pas le débat qu'on va faire tout de suite. Le débat qu'on va prendre un petit temps, parce que, bon, comme nous l'avons dit déjà l'analyse, pas nous.
pour une force entrée, une force multinationale entrée, force une force qui préparée, force une force qui organisée, force des financements, force des matériels, pour déplacer, pour venir en Haïti, pour descendre dans les portes, alors que qu'on est là, le gouvernement américain lui-même, il est en parler, passe instruction pour tout le monde qui est sorti sans Américain qui est là pour le GTO et Américain, tout le go et bayou, tout le go et transport aérien, à bouer de go jet, l'autre bois, qui pour ramasser le monde qui pour venir là, qui pour ici, en même temps tout, ou bien Américain qui a bouer le monde tourner dans l'enfer Haïti. Hein? Donc, c'est une situation qui est vraiment confuse. Donc, et l'a dégénéré de plus en plus. Et laisse à qu'on est là, si vous avez vraiment occupation du département de l'Ouest, du département de l'Artibonite par bandit, et laisse ça travailler la plus difficile pour une force internationale, à moins que c'est une force américaine qui est plus ou moins habituée avec Haïti, qui connaît les dossiers Haïti à plus ou moins bien, et avec des Haïtiens tout, comme nous t'ai dit dans la dernière vidéo, hein, si nous sommes capables d'avoir une alliance et dans la logique ça, qui peut entrer, pour vraiment aider nous sortir de la situation. Une situation qui est vraiment triste et qui a envie de nous crier. Et nous avons un ami qui est dans la presse là, qui toujours parle, c'est Fernando Estime, Miam, dis, où est ça? qui crie dans nos bars là. Et ça, monsieur fait, bon, monsieur fait en public, mais nous-mêmes, nous faisons dans quel nous souffrons de ça et nous connaissons une situation qui est vraiment. Ça, cap fait là, pas gagné. Yeah. Et tout le Mais monde ça me parle t'a aimé, je vais pas le finir, ça me t'a aimé, c'est le côté de culpabilité, nous. Parce que on paye pour pas tomber dans la situation, ça. Li gon ensemble de normes, ensemble de principes à suivre. Premièrement, pays a gon ensemble de lois et yo appliquer ça pour changer dans le temps opportun. Pays a doué gon force de police bien équipée. Li doué gagner et service de renseignement. Li gen force de l'armée. Li et le bon système d'éducation qui a préparé des citoyens qui utiles à pays. Et la justice, c'est des mondes qui connaissent pour équilibrer pays a. Il faut que la justice sanctionne les gens qui font des ordres dans le pays, quitte sur le plan économique, quitte quelle que soit la forme de désordre qu'il fait dans le pays, quitte n'a fait taire des ordres faits, etc. Donc, on parle de culpabilité, tout. Même si ça m'a cherché à travers toute émission, à travers tout ça, m'a fait comprendre. Comment nous arriver là? Est-ce que tout ensemble de structures, bon, il y en a pas remédié, je vais, en plan de développement, global pour un pays, nous avons ensemble des missions nous fait, et on toujours dit que Haïti est un pays qui est développé dans les tiroirs. Ça veut dire toute marche à suivre qui doit permettre de nous marcher pour ne pas tomber dans cette situation. Ça. Déjà, et votre nous va nous, ça n'a pas mis des égresses. Est-ce que pas on parle de culpabilité? Et c'est ça nous pouvons accomplir devant miroir pour nous regarder toute erreur nous fait. Ça nous fait déjà, ça n'a pas continué à faire, qui mène nous dans le ça, Jean-Robert. Bon, actuellement, on n'a pas de responsabilité. Ça arrive là, ce n'est pas un bail, ce n'est pas un phénomène spontané. C'est un processus qui mène là. Processus qui a commencé depuis bien longtemps. Nous analysons dans plusieurs, nous mettons les et nous mettons son bail, les toisies, instabilité politique, impunité puis, et insécurité. Nous analysons sous tout angle, nous montrer et tout côté le sorti, dans la dernière vidéo, nous démontrer et qui est origine de bagarre ça. Donc, et nous n'avons pas de responsabilité dans la donne, d'un coup, étrangère n'a pas de responsabilité là dans tout. Parce que côté nous arriver là, c'est un bagarre qui est lié avec nous en tant que personne, en tant que groupe, en tant que peuple, mais c'est un bagarre qui est lié tout avec étrangers à tout qui est un système d'exploitation, que l'État profite de nous et il n'a jamais toléré que nous-mêmes nous sommes sortis tête nous de l'eau. Et l'ISC a pesé pour nous de temps en temps pour nous entrer, et nous-mêmes, nous avons des gens à l'intérieur du pays à tout, qui ont aidé à faire ça. Et ce n'est pas un hasard qui fait que qu'on est à la moun qui tue haïtien plus qu'on est à ces bandits haïtiens, avec des. C'est des haïtiens par eux qui ont vu devant terre, c'est haïtiens par eux qui ont entré là, qui ont vu le petit bien fait, parce qu'ils considèrent lui-même époque, et dans sa liée, c'est eux-mêmes qui mettaient la donne. Parce que c'est vous-même qui êtes classe moyenne, qui êtes un peu vertical, c'est vous-même bourgeois
qui gagne toute grosse entreprise, tout bah, qui gagne toute égalité sociale, ça, c'est vous-même qui êtes responsable. Bon, par conséquent, c'est au plus près, c'est mon masse population qui est plus près. Là, c'est lui-même, il est attaqué. Mais ça veut dire que nous, tous responsables, nous avons une grosse part de responsabilité, nous avons une part de culpabilité dans tout ça qu'on a fait là-là, avec tout étranger qui, au même tout, qui a des intérêts qui divergent avant, avec la population qui mène nous côté nous. Si Non, nous mais avons Jovet. analysé, nous pas sorti. Donc, moi-même, pensais, comme nous avons parlé de question de plan, plan et éléments là, Haïti est un pays développé dans les tiroirs. Comme nous avons une vision, nous avons les visions 2054, nous avons des étapes là-dedans. Il faut nous bailler tête, nous manger. Nous dit, à nous prendre 2032 pour nous essayer de bailler tête, nous manger. Nous voulons pour nous arriver dans le niveau d'émergence qui est à la manière de la Scandinavie, nous avons bailler tête, nous. Et bien, bon, c'est pour nous gagner, bah, ça nous viser, nous, côté nous voulons aller. Pour Haïti, Kavine, vraiment au pays phare du monde qui gagne en démocratie solidaire et qui réduit l'écart entre riches et pauvres, qui c'est vrai bagaille qui est à la base de problèmes que nous avons vu là, je veux dire. Bon, Jean-Robert, nous sommes arrivés dans la fin de mission, mais je vais finir par une question par le monde qui a regardé nous là. Les on c'est père de famille, ou c'est mère de famille, ou bien caillou, ou bien petit tout, qui est-ce qui est responsable pour faire l'éducation? Qui est-ce qui est responsable pour bailler ou manger? Et qui est-ce qui est responsable pour défendre caillou? Les gens voulaient attaquer ou, pour gagner des âmes, pour protéger, pour ne pas dépendre de l'autre monde. Je pense que si un pile haïtien qui arrive à comprendre la question ça, je pense et bon ensemble de problèmes nous qu'à résoudre dans le pays parce que le monde c'est un rapport de force d'intérêt pas gen moun qui remet le pays pas gen moun qui zanmi moun la caillou c'est ou qui protéger c'est remet pour remet pays ou remet petit tout pour défendre d'ailleurs mes chaque haïtien qui regarde nous répond à ce qui moun qui doit défendre caillou d'abord qui moun qui doit protéger qui moun qui doit embellir est-ce que c'est voisin est-ce que c'est étranger dans la réponse n'a pas joindre n'a pas gardé qui responsabilité nous gagnons dans la question Haïti. Je vous remercie, nous venons dans la fin de l'émission. À la prochaine, c'est ça nous a fait, by participation, nous C'était tout. analyser. Mais à la prochaine, je vous remercie. Et nous invitons les gens, pas oublier, inscrit sous deux pages. Je vous remercie, Jean-Noël Tivia et Téléprovincial sur YouTube.